J'ai perdu 3-4 heures là-dessus. J'ai dû télécharger le 15. Vegas 14, gros souci. Ceux qui l'ont, moi je vous dis, j'ai migré. Hein. Pas encore vers Adobe, ce serait mieux Adobe, mais. Alors combien? 34%? Mais les nus, elles chipso de la manana. Hein. Les nus, le chat. Alors c'est un mode feu qu'il a. Ça, c'est auto-win. À quand un petit stuff sans ocre et vulbis? Ce week-end, j'essaierai de les mettre. Ou la semaine prochaine, on verra. Mais oui, c'est dans les priorités. Tape les nus sans ligne de vue, lui aussi va me taper sans ligne de vue, en plus ça va mettre un ébène. Traveling. Ok. Bonne exécution. Et c'est la musette. Alors peut-être que mon Helio va pouvoir clean la musette, on verra. Non. C'est le sac. 2200 HP sur les nus. Il m'a mis l'ébène, hein. Bon, forcément, Sacri, il peut pas trop rush T1, faut pas taper T1. Pareil, l'Hélio, là, à cette distance, il va juste se booster. Ils ont du soin? Ouais, il y a un petit peu de soin avec le Dragonnet. 3300 HP max sur les nus. Quand on a pas d'oc, on peut mettre un Quignard sur les nus feu et nuaire. Ouais. Ouais. Ou j'y tank terre et nu R niveau 150 pour couler à 3, c'est bien. Alors t'as quoi? T'as Yop, tank terre, ou j'y tank O et nu R. Remplace, je pense, le Yop ou l'Ouji par un Eni ou un pilier en fait. Un Eni, c'est pas trop mal pour avoir des PA. Et là, t'es Gucci, je pense. Soit Eni, soit Oza. Mais avec un Enu à côté, je mettrai un Eni quand même. La Eni et Nuyop, c'est quand même un standard. Wait a bit. Bon, vous sentez comment là? C'est vrai que j'aurais pu mettre une prédiction, pardon. Il est là ou pas? Arcane of Joke? Alors 7 de PO pour les nus. Par contre mon sacri il a pris cher. Hein. Ouais, le sacri, je vais quand même devoir le contre-coup. Parce que s'il rush, il doit se sentir en sécurité. Il va essayer d'achever les nus. S'il peut se le permettre. Attends, il se passe quoi? Non, c'est le dragonnet qui a pas joué, ok. Crit, 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 crit. Yes. Bon, sans crit finalement. Le sacri doit zoner un petit peu pour achever les nus. Mais le contre-coup, ça le met bien, quoi. Alors, combien de HP sur les nus? 1400. Il peut faire coffre, désinvo et se régène.
J'ai pas envie qu'il fasse une retraite, d'accord. Alors, le nouveau nom de la retraite, je rappelle, ce sera plus 3 minutes de combat. Hein. Donc, peut-être qu'on rename le sort retraite en rompiche. Tu... Eh, ça te dit que tu fasses le sort rompiche, pourquoi? Bah là, je suis bien positionné, on peut tous taper. Ok, et là, il y a une discussion. Parce que là, clairement, je vous le dis au chat, on va tous se faire chier. Tous, hein. Le SRAM, il peut poser des pièges, néanmoins. Le Sacré, il fait rien. L'OSA, il repose l'invoque, ok. Mais bon, il va taper sur un contre-coup, une pre-tech en solo, il va pas faire grand-chose. L'Elio, il se fait chier. On se fait tous chier. Salut, RBK. Zobalère, on se colite solo, 3v3 solo, excuse-moi, est-ce que c'est viable? Ouais. Ouais, c'est bien Zobalère. Hein. Même au cutter, ça se joue. Après, ça se joue plus pour faire un petit peu de picada, un petit peu de retrait Zobalère en cutter. Retraite anticipée égale salle d'attente. Pas mal ça. Pas mal du tout. Oh, quel boss! Wow! Trop bien là! Je vais pouvoir faire un truc en ça! Par contre, il va se faire soigner par le dragonnet. Dommage. Donc, je pourrais pas le tuer. S'il n'y avait pas le dragonnet, peut-être que je le tuais. Hein, mais là, à peu de choses près. Ouais. Alors, il me tape pas, du coup, je proc l'ocre. Non, je déconne. L'ennemi m'a roxé. Mais d'ailleurs, c'est marrant, hein. Ils font le challenge chacun son monstre. Parce que... l'ennemi me fait un gros focus. L'Oza, il continue sur le sacré. Cinq de portée, putain. J'aurais dû le voir avant. J'aurais pu mettre un chaton guérisseur. Bon, 300 HP sur les nus. 2500 HP max. On l'a bien érodé, hein, quand même. Alors, j'ai énormément de trucs sur Talenténa. Ça tente, je te donnerai... Ça tente, excuse-moi, que je te donne tout pour redistribuer à ta commu pour les derniers instants du serveur. J'ai 1,3 milliard... Et vraiment pas mal de stuff. Thanathena. Donc Thanathena, c'est un serveur héroïque, si vous voulez, au chat. J'en ai parlé la dernière fois en vidéo et... Ils vont fermer les serveurs privés. Enfin, les serveurs... les serveurs héroïques. Le SH. Oui, ça... bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, RBK. Je pourrais redistribuer. On verra ce qu'on peut faire avec ce genre d'item. De toute façon, pour le long terme, c'est un peu mort, je pense. C'est un fake. Ouais, pourquoi pas. Faudrait que je crée un perso sur Thanathena. On pourrait faire une event avec beaucoup de stuff. On distribue le stuff. Après, on s'agresse. C'est pour qu'il s'amuse, il reste un mois ou deux, donc bon. Bah, c'est sympa de proposer, en tout cas. Plus la semaine prochaine, peut-être. Semaine prochaine, je pense. Plus des nus.
Ouais, le SRAM me tente. En fait, Loza, il a encore sa pre-tech, quoi, quoique là, elle tombe. Il a 34% res. Après, Loza, il nous fait un petit peu chier avec ses invoques, hein. Je suis d'accord avec vous. Alors, peut-être qu'il va laisser ouvert. Ouais, il laisse ouvert, c'est top. Je peux aller là et taper le SRAM. Je peux plus le contre-coup. Mais après, il joue juste derrière moi, donc techniquement, il peut se régénérer tout seul. Parce que si je fais un bon tour sur le SRAM, est-ce que le sacré derrière, il peut pas le clean? Que fait-il? Ouais. Alors j'aurais 12 PA si j'ai bien compté. Tellement de rocks, faut pas qu'il bouge. C'était marrant. Bon. Ça là, est-ce que j'ai la maîtrise invoque? Non. Oh, le Rox! En ça! Donc, 2300 HP sur le SRAM. Ouais, mais là, il se fait tacler par un Mélanique. Il va juste sur régène en max. Hein. Voilà. Roulette 400 force, j'ai pas fait gaffe. Ouais, il se met bien lui aussi, du coup. Ouais, roulette 400 force. Oui! Oh là là, mais quel dieu! Ah, c'est un truc de ouf! En fait, quand c'est pas moi qui carry, c'est ma roulette! Non, non, le chat, tout le monde a bien joué. Lelio, il m'a fait un move là tout à l'heure, à base de thérapie, je me suis dit, il va faire son passe-tour classique! Lelio, il a assuré, hein. C'est pareil, ouais. Furaille. Tellement habitué à YouTube, quand je vois un beau move, j'essaie de revenir 10 secondes arrière. Je fais ça des fois sur des streams. Quand je vois par exemple Zera qui arrive sur un sur un raid, j'essaie de cliquer en avance pour voir comment ça se passait le boss. Ouais, ça m'arrive, ça arrive. Ah, mais lui aussi en plus, il joue terre. Bon, ce combat était sympa, hein. Vraiment marrant. Pas forcément pour eux. Les nuits, il a pas dû kiffer. Alors, j'ai pas entendu la réponse, j'ai le son coupé. Ah, d'accord, c'est pareil. C'est pareil, du coup, je t'ai répondu. Zoom, dézoom. Zoom, dézoom. Non. 3 et 3. On sent un spa de BK. Moi, je m'en inspire en tout cas.